prometteur 3-0 contre Cestas. Ouais. Ce soir, c'était plus compliqué avec la défaite. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour faire un meilleur résultat? Non, honnêtement, il est fort, compliqué. Non, on perd quand même sur un fait de jeu, on perd sur un penalty. Je pense qu'on a fait jeu égal avec cette équipe d'Angoulême. Après, c'est vrai qu'ils ont un capital d'expérience qui est supérieur au nôtre. Mais voilà, ça fait partie de ce championnat et qui, à mon avis, va rester équilibré jusqu'à la fin où les situations vont se débloquer sur l'expérience et des faits de jeu. En première mi-temps, notamment, vous avez eu des situations, les deux premières d'ailleurs, ce sont les vôtres. Il faut être capable de les mettre, celles-ci, ça aurait changé un peu le fil du match. Oui, tout à fait, surtout qu'on a un groupe qui est relativement jeune, qui a une moyenne d'âge de 21 ans, avec encore beaucoup de joueurs qui découvrent ce niveau national. Donc voilà, on sait où quelle est notre place. Notre objectif, c'est quand même de maintenir cette équipe. Donc on a montré aussi qu'on est capable de valoriser, de rivaliser avec ces équipes majeures. On va continuer à travailler et puis réengranger rapidement 3 points la semaine prochaine. Donc malgré la défaite, beaucoup de positifs ce soir. Oui, mais la défaite, elle est sur un fait de jeu. Hein, donc voilà, on n'a pas été surclassé par une équipe d'Angoulême. Donc qu'on soit bien clair, et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, le foot, c'est ça. Et maintenant, c'est moi à redresser, on a la chance de faire un sport où on peut rapidement reprendre confiance. Donc aller chercher ces 3 points la semaine prochaine. Un match important, justement, Montmorillon. Toi, ça, forcément, une équipe de la ville qui joue aussi le maintien. Ouais, ça va être un derby. Puis ce sont des adversaires directs. Donc ce genre de match-là, ils sont à gagner. Hein. Et on va se préparer, vite évacuer la défaite parce qu'on est quand même un peu frustré par rapport à ce fait de jeu. Mais bon, ce sont les aléas du foot. Et puis 2 jours pour récupérer pour que samedi, mardi, on passe à autre chose. Pour aller récupérer les 3 points, pour aller reprendre de la confiance. Tu sais, quand on se regarde,